nous allons tous partir et nous célébrerons la fête. Bonjour les amis, bon réveil. Bon, c'est vrai que c'est pas intéressant de commencer la journée avec de mauvaises nouvelles, mais je ne voulais pas aussi vous annoncer ça la nuit, parce que hier, ce qui s'est passé du côté du PDCI, c'est que le premier adjoint au maire, Danny Blécro, docteur Mustapha Kouaobilé, qui est lui aussi docteur en gestion et administrateur des services financiers, est décédé. Oui, il est décédé et vraiment c'est un coup dur du côté du PDCI et de sa ville à Agnès Blécro. Et donc maintenant nous allons du côté d'Abidjan. Yodé et Siro, comme vous le savez là, ont été interpellés par la justice, n'est-ce pas? Donc hier, le président Henri Konan Bédi a fait un post et je vais vous lire son post. J'apporte tout mon soutien à ce groupe qui n'a fait que dire tout haut ce que les Ivoiriens disent bas. Force à vous, Yodé et Siro, artistes engagés. Et il a aussi cité un peu ce que Yodé et Siro chantent dans leur chanson, tout ça, et il a dit, on ne se réconcilie pas en mettant les gens en prison. Le pays a besoin de tous ses enfants pour la vraie réconciliation. Merci, merci beaucoup, président Henri Konan Bédi. Que Dieu continue de t'inspirer, que Dieu continue de te protéger. Ce n'est pas facile, mais nous restons mobilisés, nous restons à l'écoute. Bon, les artistes, comme vous savez là, les artistes, il y a quelques artistes. J'aurais appris que hier, quelques artistes s'étaient déplacés pour aller, mais on les a refoulés. Ils n'étaient pas nombreux, voilà. Donc, il y a, comment il s'appelle, Baby Philippe, l'arrangeur international, qui a fait un post et qui a dit ceci. À un moment donné, il faut arrêter. On va où à la fin? Grosse force à mes grands frères, Yodé et Siro. Donc les amis, c'est un peu ça du côté d'Abidjan. Hein? Et donc comme vous savez, là, à 8h30, ils doivent se présenter devant le procureur. Donc c'est au palais de justice, au plateau. Voilà, donc tout le monde doit être là-bas pour soutenir Yodé et Siro. Comme vous savez, là, quand ils font leur concert, là, c'est guichet fermé. La dernière fois même, quand il y avait marche au stade, là, c'était le 10 octobre, il y avait marche. Le jour-là même, là, la marche et le meeting, là, vous vous rappelez du meeting, là, non? Grand meeting de l'opposition le 10 octobre, là. Il y a eu du monde, malgré tout ce qui s'était passé, là. Il y a eu du monde. Les gens même étaient fatigués, mais après, ils sont allés au concert de Yodé et Siro. Le Boeing qui était là-bas, là, où vous êtes? Le Boeing qui était là-bas, là, même si 30% de ce Boeing-là peut se retrouver au palais, ça serait bien. Eh bien, je vous montre un des concerts de Yodé et Siro. Le Boeing-là, on va regarder le Boeing qui était là-là. J'ai dit, le Boeing, on vous attend tout à l'heure. Voilà. On regarde un peu le concert, une petite partie, et puis on se prend tout à l'heure. Voilà. Président, on dit quoi? Dali, viens ici. Siro, où tu es rentré? Où toi tu es rentré? Pour pas faire, ils vont tirer si on ne se réconcilie pas en mettant les gens en prison. Le pays a besoin de tous ses enfants pour la vraie réconciliation. On ne se réconcilie pas en mettant les gens en prison. Le pays a besoin de tous ses enfants pour la vraie réconciliation. Donc, il doit rentrer, oh. Il doit rentrer. Il doit rentrer, oh. Il doit rentrer. Nous tous on a vu ici. Quand il partait, il avait une seule chaussure, un seul pantalon. Une chemise, on l'a mis dans l'avion, on l'a mené chez les blancs, il a tiré la main, 9 ans en prison,
Ils ont envoyé des témoins. Assez de témoins. On dit qu'il y a 3000 morts. Ils ont cherché, ils ont fouillé. Ils ont cherché, oh, ils ont fouillé. Vers la fin, on dit c'est pas lui. On dit c'est pas lui. Mais si il est parti avec un seul pantalon, une seule chemise, une seule chaussure, il n'avait pas de passeport. Pourquoi on lui demande passeport? Mettez-le dans le même avion, venez avec lui, oh. Ou bien, Koudou l'aura pas bon. Il doit rentrer, oh. Il doit rentrer. Koudou l'aura pas bon. Il doit rentrer, oh. Il doit rentrer. Le oui-di de papa, oh. Il doit rentrer, oh. Il doit rentrer. Oui, il doit rentrer ainsi que tous les exilés politiques, les prisonniers politiques doivent sortir de prison, tout ça. Mais j'ai dit le Gboyi qui était là-bas au conseil, là. Où vous êtes? Où êtes-vous? On a besoin de vous tout à l'heure. 8h30 déjà, ils seront devant le procureur Adou Richard. Donc tout le monde doit être là avant 8h. Voilà. La solidarité là, franchement, on a besoin de ça dans notre pays. Oui, on a besoin de ça plus que jamais. C'est maintenant. C'est maintenant, sinon on est foutu. Sinon on est foutu. Eh bien, pour toujours aborder cette histoire d'injustice dans le pays là, si vous vous rappelez, dans le mois de janvier, les catholiques avaient dit qu'ils allaient marcher. Voilà, les chrétiens catholiques ont dit qu'ils allaient marcher le 15 février. Plus ou moins pour la paix dans le pays. Comme s'ils ont su que des choses comme ça allaient se passer, ils ont voulu prévenir certaines choses. Les gens du RHDP les ont empêchés de faire leur marche. C'était une marche simple, hein. Ça, on était déjà en janvier. Et donc, ils ont même fait des déclarations pour dire qu'ils allaient finir avec les catholiques et que à chacun son catholique. Des choses comme ça, des trucs pour menacer. Et jusqu'à ce jour, je n'ai pas entendu dire que, oh, les jeunes là ont été mis quelque part en prison, ou bien même ils ont été interpellés. Non, non et non, je n'ai pas entendu quelque chose comme ça. Donc vous voyez, ça fait mal. C'est de ça que Yodé et Siro parlent, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'exemples comme ça, hein? Des exemples même. Ok, je vous laisse écouter ces jeunes-là et puis on continue. Catholique, lâchez le 15. Nous disons non. Zéro marche, le 15. Mouvement zéro victime, zéro marche, le 15. Sinon le 15, nous allons appeler toute la Côte d'Ivoire pour les rejoindre pour cette marche. Nous avons constaté une année ici, il y a un imam qui a été emprisonné. Les imams, les musulmans n'ont pas marché. Et aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi les chrétiens, les religieux, les catholiques veulent se mêler de la politique. S'ils veulent prier pour la paix, qu'ils aillent prier dans les églises. Je parle toujours. Le 15 là, à la chrétienne vont sortir là. Nous, on a montré qu'elle là, ils vont rentrer là. En tant que chrétien, on va là. Eh oui, c'est ce que les Ivoiriens vivent au quotidien. C'est dommage, il n'y a pas de liberté d'expression. Alors là, pas du tout. Si tu veux parler, il faut être du côté du RDR. Là, tu n'as pas de problème. Voilà. Bon, c'est que si nous allons terminer notre vidéo, comme je disais là, Yodé et Siro ont besoin de soutien. Dieu merci, hier là, ils étaient allés avec l'avocat de l'ancien ministre Charles Blé Goudé. Ils ont demandé à ces derniers de les accompagner hier là et il a bien voulu les accompagner. Donc nous disons vraiment merci à Maître Jean-Serge Bougnon. Merci d'avoir accompagné nos frères. Donc les amis, c'est ça, hein? La solidarité là, on a besoin de ça. Tout à l'heure, comme vous savez là, hier, ils n'ont pas dormi chez eux à la maison. Ils ont dormi à la gendarmerie d'Agban.
Et c'était dans une voiture civile même, ils étaient. Et puis maintenant, c'est les gendarmes qui étaient derrière la voiture civile là. Donc, je termine ma vidéo. Je répète, ils ont besoin de soutien. Donc, on se dit à tout à l'heure. Il est déjà 7h20 pendant qu'ils ont fait cette vidéo. Donc, j'espère que vous êtes déjà en route. Ok, à tout à l'heure. Asseyons-nous et discutons au lieu de nous battre. Oh yeah, oh yeah. Asseyons-nous et discutons au lieu de nous battre. Tout le monde parle de paix, mais personne ne veut faire le sacrifice. Personne ne veut faire le sacrifice. Ceux qui devaient nous réconcilier, eux-mêmes sont divisés. Il y a deux FPI, il y a deux RDR, il y a deux PDCI au même PIT, il y en a deux. Il y a des SIRO aussi, ils sont deux. Le pays est deux. Laissez-les.